Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du Step by Step. Si vous êtes content aussi, n'oubliez pas un petit pouce, un petit like, la petite cloche, on partage, ce serait trop cool. Et nous sommes le lendemain matin. Eh, au fait, 170e épisode. Pardon, hein, excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Mais 170e épisode. 170 semaines de Step by Step. Vous vous rendez compte de ça? C'est juste hallucinant, non? Quoi qu'il en soit, il est 3h du matin. Notre petite nouvelle semaine de la faucheuse a démarré. Donc je suis très très impatiente de pouvoir faire les tâches de la semaine. Et tout le monde dort. Même Nemo. Incroyable ça. Et voilà, Nemo se réveille le premier parce qu'il est tout puant. Allez, petit pipi et petite douche puisque là-haut, c'est cassé. Voilà, et ensuite tu prendras des restes. Tu prends ce que tu veux, je te laisse gérer. Il va prendre de la pizza, bien sûr, bien sûr. Non, il a pété le lavabo et les toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais, Nemo? Oh là là. Bon, en même temps, ça m'arrange parce que je voudrais que Nami kiffe le bricolage. Je sais plus s'il le kiffe déjà. Non, j'aimerais bien qu'il kiffe le bricolage et qu'il puisse monter fort fort. Voilà, parce que tous les autres n'aiment pas le bricolage. Kai déteste. Ah, elle, je lui ai pas demandé. C'est notre dernière chance. Blanche, elle aime pas. Ah non, elle a rien non plus. Mais bon, elle a pas que ça à faire de sa vie. Et Milo, il aime pas. Les cours de Nemo commencent dans une heure environ. Et Kai est réveillé. Salut mon Kai. Kai, il n'arrête pas de manger des préparations. Non, tu vas pas me prendre mon poisson, s'il te plaît. Tu vas prendre autre chose. Je sais pas quoi. Nami, t'es réveillée. On est mardi, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas, il y en a qui vont faire du bricolage. Suivez mon regard. Salut Alizée. Pizza pour Alizée. Salut Milo. Oh, regardez les enfants, ils mangent ensemble. Enfin, les enfants. Ils sont jeunes adultes maintenant. Hein. Kai, tu vas bientôt bosser. Nemo, il est parti. Blanche, t'es réveillée, trop cool. Non, pas de pizza pour toi, certainement pas. Tu vas manger ce que tu as dans ton inventaire. Tu te rappelles, hein? C'est comme ça qu'on fait. Kai, pourquoi t'es en colère? Tout va très bien. Dans 5 minutes, t'es plus en colère. Ok. Voilà, t'es heureux. Eh ben, tu vas réparer ça et tu vas réparer ça. C'est parti. Blanche, tout va bien? Ouais, super. Tu vas faire les cupcakes boulanges? Alors oui, vous m'avez dit dans les commentaires pourquoi pas changer la couleur de la machine. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant? Waouh, on peut avoir une machine toute blanche. C'est cool, ça. Toute noire, en doré. Oh, celle-là, elle est classe. Je pense quand même que... Ouh, ou celle-là. La blanche ou celle-là? Celle-là. Allez, go! Ouais! Tu bosses pas aujourd'hui, Alizée? Ah si, tu bosses le soir, toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que j'achète le livre de la Dame Verte. Il est là. On va le poser ici. Et je pense que ce bouquin, c'est Kai qui va le commencer. C'est lui le lecteur dans cette famille. Voilà. Oh, très beau livre qui fait de la fumée. Toi, t'as tout réparé? Non, il y a la baignoire là aussi, s'il te plaît. Oh non, tu vas être en retard pour le boulot. Ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu. C'est pas grave. Blanche? Ah non, Blanche, tu redescends, s'il te plaît, et tu vends. Et puis tu vas ensuite astiquer la machine, parce qu'elle est toute sale. Milo, ça y est, t'es parti au jardin? Ouais, pas mal. Tu vas, s'il te plaît, aller faire des recherches sur les greffes. Je pense que à nous tous, on va pouvoir faire des trucs. Il faut lire le bulletin d'information. Est-ce que, Alizée, puisque tu n'as rien à faire, tu peux faire ça? Avec le livre de la Dame Verte, vous pourrez apprendre rapidement à développer les compétences nécessaires pour préparer de l'ambroisie. Ce livre développe les compétences jardinage, cuisine et cuisine gastro. Oh, waouh! Ça y est, toi, tu as terminé? Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer certains petits trucs? Par exemple, robinet solide, allons-y. Alizée, tu n'as pas lu? Non, c'est vrai, tu n'as pas lu. Vas-y, lis. Vous avez gagné assez de points d'événement pour obtenir une récompense. Alors, laquelle? Oh, les chaussures! Ça va trop, trop plaire à Alizée. Ça va être trop bien! On verra ça tout à l'heure. Kai est parti travailler. Le greffage nécessite une plante en bonne santé. Très bien, mais ça on le savait déjà. Cette semaine, nouveau bulletin d'information. Il est temps d'attraper le premier ingrédient, un scalaire.
L'ambroisie est un plat gastronomique, il est temps d'acquérir la compétence cuisine gastronomique. Votre jardin fleuri, l'ambroisie nécessite un chrysanthème de la mort, orchidée et grenade. Ah ! Alors, moi ce que je sais, c'est que j'ai besoin... je crois que ça y est, on a des grenades. On va récolter. Oui, on a lu le bulletin, pêcher avec un appât. Qui pêche ? Je crois que c'est Kai qui pêche. Hein. Non, j'ai pas eu de grenade. Si ! Eh, mais j'ai déjà des grenades ! Mais ça veut dire que je peux faire aussi les gaufres d'amour ! Oh, trop bien ! Alors attendez, je voudrais planter des grenades, déjà. Alizé, au lieu de lire un magazine, est-ce que tu peux venir planter ? Parce que toi, tu sais le faire. Voilà. Blanche, tu vas pouvoir prendre une douche ensuite. Alizé, est-ce que tu peux faire quelque chose de ta vie, Alizé, s'il te plaît ? Parce que là, pour le moment, tu ne fais rien de très très convaincant. Milo, on va mettre les trucs dans le frigo. Allez Blanche, dépêche-toi de te mettre en place, cher ami. Et est-ce que on va pouvoir faire des gaufres d'amour ? Ça, ça m'intéresse. Milo, donne tes grenades à ta femme. Oui ! Vous savez que c'est les dernières gaufres qu'on a à faire ? C'est cool, là, on avance. Allez, gaufres d'amour, on y va. Elles vont être trop jolies, je le sens. Fais voir. Elles sont trop belles ! J'ai trop envie de les goûter, s'il te plaît. Prends une portion. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Elles sont roses ! C'est trop joli ! Regardez-la en train de manger ses gaufres devant sa photo de mariage. Incroyable ! En cas attirant, cette gaufre m'a donné envie d'embrasser quelqu'un et de tomber amoureuse. Oh ! Préparer une recette en ayant au moins le niveau 5. On va faire ça. On va cuisiner... Thon cuit à la cocotte. Comme ça, ça nous validera ceci. Et voilà pour la recette. On va mettre ça dans le frigo. Et une petite cuisine gastronomique. Là, pour la cuisine, ce sera absolument pas un souci. Regardez, j'ai la recette de l'ambroisie. Scalaire, potion de jeunesse, chrysanthème de la mort. Ah ! Alors, attendez, je voudrais faire des tortellini au homard. Tiens, j'ai jamais fait ça. Et donc, voyons voir ce que j'ai débloqué. Le petit lapin, allez, je le prends. Nami, il va pas bien, il est en colère. Il a du mal avec sa vie, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Nami ? Tiens. Je sais ce que tu vas faire, tu vas aller courir, ça va te faire du bien. Nemo a bien bossé et ses notes sont en haut. C'est bien mon petit Nemo. À quelle heure il rentre Kai ? Il faudrait qu'il aille pêcher. Ou sinon, Nemo, tu veux essayer d'aller pêcher ? Chouchou, peut-être ça te plairait aussi, hein ? Je pense que quand il rentrera, son frère l'emmènera. Ouh ! Je me demande quels autres secrets ce livre pourrait contenir. Continuez à développer votre compétence cuisine gastronomique. T'as fait tes tortellini, Blanche ? Eh bien, écoute, on va aller ouvrir notre stand. On va y mettre notre nourriture. On va même installer le four à pizza. Et puis, j'ai encore quelques pizzas que je n'ai pas terminé de faire. La pizza du jardin, j'avais pas fait. Mais c'est trop joli. Regardez mes gaufres d'amour comme elles tapent. Kai est rentré du boulot. Super ! Oh, il a été promu assistant de direction. Ah, oh, ça m'étonne pas de lui. Vous voyez, il est arrivé en retard, il a quand même eu une promotion. C'est vraiment un mec qui bosse de ouf. Kai, tu vas en profiter pour aller à la pêche avec Nemo. Voilà, tu vas l'initier. Je pense que ça pourrait être cool. Et il a volé un livre au travail. Il vole beaucoup de livres. Il adore les livres en même temps, c'est normal. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous disputer ? Toi, tu ramasses la poubelle. En fait, je crois que Nami, on va regarder, mais il s'entend pas, il s'entend de moins en moins avec sa sœur. Nami, il a pas accepté qu'elle prenne la carrière criminelle parce qu'il déteste les gens malveillants. Et donc du coup, il lui en veut pour ça. C'est hyper compliqué pour lui. Allez, et nous, on vend. Ça y est, la pizza, tu la récupères. Il me faudrait une pizza kebab également. Ah, j'ai pas de viande préparée. Il faudra que je fasse ça. Focaccia créatif. Ah, ça je peux. On y va ! Trop bien. Oh, j'ai des choses à faire évoluer. Ok. Milo a terminé l'inspiration. Ami de tous ! Waouh, tu t'es présenté à quelqu'un devant mon stand, c'est ça ? Le travail d'Alizé commence bientôt. Ils attrapent des poissons, mais pas des scalaires. Je sais pas s'il y en a ici, n'empêche. Salut Rose ! T'as pas l'air d'aller très très bien. Ça y est, la vente est terminée. Nous allons ranger les objets. On va mettre dans l'inventaire et puis on va rentrer chez nous.
1704 simflouz pour la vente de nourriture aujourd'hui, c'est pas mal. Eh, on a pêché pas mal de trucs, un tilapia, un kchli machin, une truite, c'est toi qui as pêché la truite, d'accord. Et un autre truc. Ah oui, Blanche, on va mettre les plats au frigo, tout de suite avant que ça périme. Nemo, ne me dis pas que t'es en train de jouer à des jeux vidéo. Non, c'est non. Tu vas aller te coucher, chouchou. Bon, moi, je profite de la soirée pour faire évoluer les trucs qui brillent. Je crois qu'il y en a pas mal. Nemo, pourquoi t'es debout? Non, mais il arrive pas à dormir, ce gamin. C'est incroyable. On est mercredi. Je pense que le gamin va pas aller à l'école puisqu'on est mercredi. Et je pense que Kai, il va prendre un jour de congé pour l'emmener justement à Willow Creek. Un petit voyage pour changer un petit peu de point de vue et changer d'air. Hein, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment bien, quoi. Regardez les deux qui se lèvent à 6h30. Ah bah, il va directement voir son frère. Voilà. Eh, dis donc, Kai, c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on y va? On va aller au musée, pourquoi pas. On va venir directement, et bah regardez, ici, on va pêcher avec une pomme pour débuter. Et toi aussi, tu viens ici pour pêcher avec ton frère. C'est vrai que lui, il voulait aussi trouver un truc à collectionner. Il y en a pas mal ici. On en a déjà des fraises chez nous. Ouh ! Incroyable ! Tu as attrapé l'insaisissable scalaire ! Encore deux ingrédients. Oh, trop bien ! C'est Kai qui l'a attrapé. Oh, waouh ! Une raie chauve-souris. Attends, tu vas la filer à ton frère. Allez, t'attrapes un dernier truc et je vais te faire aller voler. Et ça y est, Kai a attrapé un poisson rouge. Alors, mince, mais on peut pas voler grand-chose. Ah, un cochon comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voler un cochon? Genre celui-là. Voyons voir. Kai, c'est bon? Oh, c'est trop cool! Super. Bah écoutez, on rentre à la maison. C'était une bonne matinée. Une fois à la maison, nous retrouvons Blanche en train de faire de la viande préparée. Et oui, forcément, puisqu'on a une pizza kebab. Ouais, kebab à terminer. Est-ce que je peux pas me faire ma pizza kebab ici, tiens? Toi, mon petit Nemo, tu vas venir essayer d'améliorer... Hop, nettoyage automatique pour les toilettes, ce sera cool. Non, arrête de manger des trucs, arrête de manger des trucs. Est-ce que vous pouvez sortir de ma cuisine pendant que je bosse, s'il vous plaît? Milo, qu'est-ce que tu fais? Prendre de l'eau. Non, 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 tu n'as pas besoin de prendre de l'eau. Milo, est-ce que tu peux aller t'occuper de ton jardin, s'il te plaît? Purée, mais vous êtes pénible un petit peu. Pizza façon kebab. Ah, cuisiner 5 fois en écoutant de la musique, c'est bon. Cuisiner des repas en utilisant 6 ingrédients préparés uniques. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus ce que j'ai utilisé et ce que j'ai pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai pas fait, à votre avis? Pâte à biscuits, peut-être. Tiens, on va faire pâte à biscuits. Alors, pâte à biscuits. Ici, par exemple, des biscuits effrayants. Je suis sûre... Ouais, je vous avais dit, c'est ça qui me manquait. Ah, il faudrait améliorer mon robot. Nami, tu peux t'en occuper éventuellement d'améliorer mon robot? Mélange rapide, voilà. Nami, si tu aimais le bricolage, mais ça m'arrangerait tellement. Ah non, toi, tu ne files pas de pizza. Non, c'est hors de question. Blanche, s'il te plaît, tu mets ça dans l'inventaire. Non, 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 non. Il va tout faire cramer. Arrête de faire une pizza à l'ananas en plus, tu rigoles ou quoi? C'est immonde. Blanche, ah purée. Voilà ce que c'est quand on laisse traîner des trucs à chaque fois. Il y a quelqu'un qui se précipite derrière pour faire une pizza. Vous êtes sérieux, les gars, là? Si ça crame, Kai, je te préviens. Je te préviens. Je sais pas de quoi je te préviens, mais je te préviens. Ok, on va récupérer ça. Et toi, tu viens tout de suite me la mettre dans l'inventaire, s'il te plaît. Arrête de parler à ta fille. Pendant ce temps-là, Nami, il a le niveau 5 de bricolage. C'est pas mal. Alizée est partie travailler. Et je pense qu'on a envie de redéclarer notre flamme à notre mari. Est-ce que, mon petit Milo, tu voudrais pas qu'on aille se faire une petite soirée loin des enfants ce soir? Ouais, ça te dit? Et on part aller voir le coucher de soleil sur la plage. Mais oui! Regardez comme c'est mignon. Bon, et bah, on va faire des petits trucs romantiques. Oh, c'est trop mignon. Oh, puis il y a des pélicans qui passent. Trop beau. Allez, on va un petit peu creuser sur les tas de sable qui sont un petit peu partout sur la plage. Je vous rappelle qu'on a une collection de bouteilles. À continuer. On peut aller là. C'est trop mignon, on peut aller à côté du phare, je savais même pas. Cours jusqu'au phare, trop bien, on va faire un petit selfie, vous allez voir. Oh.
Là, c'est pas mal. Une petite maison avec une voiture, elle est trop jolie. Mais je suis jamais venue par ici. Bon, écoutez, on va rentrer. Ah ouais, il est 1h du mat. Il est temps d'aller se coucher. Eh les gamins, pareil, on va se coucher. Allez, allez. Pourquoi tout le monde est debout? Vous en avez profité, avouez. Ok, alors après cette petite nuit, j'ai fait 2-3 améliorations dans la maison. J'ai pris des trucs qu'il y avait dans l'inventaire du foyer que j'avais oublié. Ça, c'est ce que Kai a volé il y a 2 minutes au musée. J'ai également acheté une petite bibliothèque qui lui fera trop plaisir à Kai. Parce qu'il adore lire, voilà. On a mis ses trucs de vente qu'il a eu pendant son boulot ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une plante, ça manquait de plantes. Et en haut, eh bien, figurez-vous que j'ai acheté un lit. Un vrai lit pour notre petit Nemo quand même. C'était honteux. Et ici, eh bien, j'ai mis le matériel d'espion de ma petite Alizée. Y a quelqu'un qui fait le ménage, s'il vous plaît? Tout le monde est réveillé sauf les parents. Faut dire qu'ils sont rentrés tard hier, je les comprends. Nemo est parti à l'école. Kai va aller au travail. Blanche est réveillée. Ah, je t'ai pas vue. Tu prends de la focaccia alors que normalement tu n'as pas le droit. C'est pas très très grave. Elle est comment? Ah, oh, ça t'inspire. Bah c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour Nami. Une fois qu'il a terminé les toilettes, lui faire manger la focaccia inspirante et lui faire faire de la guitare. Eh oui. Nous on fait nos cupcakes, préparer des gaufres. Agréablement désagréable. Ça, je pense qu'on va pouvoir le faire. Ouais, regardez. Créer un ingrédient préparé en utilisant un robot pâtissier. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Allez, des légumes. Tout ça, c'est gratuit. Autant en profiter. Et puis, cuisiner 2 pizzas ou gaufres à un seul événement social avec des objectifs après avoir obtenu le niveau argent. Une fois que vous avez obtenu le niveau argent, vous cuisinez des pizzas ou des gaufres. Ah ah, ça peut le faire, ça aussi. On va se faire un petit repas gastronomique. Bah pourquoi pas un gâteau noir et blanc? Allez, ça ne nous coûtera rien. Regardez-moi ce gâteau comme il est incroyable! Trop cool! On va le remettre au frigo parce que franchement, voilà. Et je pense que notre petite Blanche, là, elle se dit qu'elle aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup inviter sa sœur et toute la petite famille pour voir un petit peu où ils en sont tous. Bah écoutez, on va faire ça et on va essayer de préparer un repas pour ce soir. Mais en attendant et pendant qu'elle téléphone à tout ce petit monde, moi, je vais vous laisser. Et oui, que croyez-vous? J'allais pas vous faire ça dans cet épisode. Un peu de suspense, que diantre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça. Allez, salut!